Bienvenue sur Dream Travel. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les 10 armées les plus puissantes d'Afrique en 2023. N'oubliez pas de vous abonner à Dream Travel et d'activer la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. Classer les armées en fonction de leur puissance peut être complexe et dépend souvent de divers facteurs tels que l'équipement, l'effectif, le budget militaire, les capacités technologiques, l'entraînement et la doctrine militaire. Voici donc les 10 armées qui sont généralement considérées comme parmi les plus puissantes en Afrique en 2023. Forces armées égyptiennes. Les forces armées égyptiennes sont parmi les plus importantes et puissantes en Afrique et au Moyen-Orient. L'armée de terre égyptienne est la branche principale et la plus importante des forces armées égyptiennes. Elle dispose d'une large gamme d'unités, notamment des forces mécanisées, des forces spéciales, de l'artillerie, des unités blindées et des unités d'infanterie. La marine égyptienne est responsable de la défense des côtes égyptiennes le long de la mer Méditerranée et de la mer Rouge. Elle possède divers navires de surface, sous-marins et unités de la marine de patrouille. Les forces armées égyptiennes ont investi dans des technologies militaires modernes, y compris des systèmes d'armes sophistiqués, des équipements de communication et des systèmes de surveillance. Les forces armées égyptiennes participent souvent à des opérations de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU, principalement en Afrique. Les forces armées algériennes sont considérées parmi les plus puissantes et les mieux organisées en Afrique et au Maghreb. L'armée de terre est la branche principale des forces armées algériennes. Elle est composée de différentes unités, dont des forces mécanisées, des unités blindées, des forces spéciales et des unités d'artillerie. La marine algérienne assure la sécurité des côtes algériennes le long de la Méditerranée et possède des capacités navales modernes. L'armée de l'air algérienne est dotée d'une variété d'aéronefs, dont des avions de combat, des hélicoptères d'attaque, des avions de transport et des aéronefs de reconnaissance. En raison de sa géographie, l'armée algérienne est fortement impliquée dans la protection des frontières, notamment dans les régions sensibles comme le Sahel. Forces armées sud-africaines. Les forces armées sud-africaines, également connues sous le nom de South African National Defence Force, SANF, sont parmi les plus puissantes et les mieux équipées du continent africain. L'armée de terre sud-africaine est la composante principale des forces armées. Elle est constituée de différentes brigades et unités, comprenant l'infanterie, les blindés, l'artillerie, les forces spéciales et plus encore. La marine sud-africaine protège les côtes de l'Afrique du Sud et contribue à la sécurité maritime de la région. Elle possède divers navires, sous-marins et unités de patrouille côtière. L'armée de l'air sud-africaine dispose d'une variété d'aéronefs, y compris des avions de chasse. Les forces armées nigérianes, officiellement appelées Nigerian Armed Force, constituent l'un des piliers de la sécurité et de la défense au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. L'armée de terre nigériane est la principale branche des forces armées. Elle est composée d'unités d'infanterie, de blindés, d'artillerie, de forces spéciales et de diverses unités de soutien. La marine nigériane est responsable de la sécurité maritime du pays et des voies navigables. Elle possède des navires de surface, des sous-marins, des patrouilleurs et des aéronefs maritimes.